Sébastien, bonjour. Alors pour revenir sur notre dernier entretien, vous parliez d'un point important qui était la manière de sécuriser, ou l'importance en tout cas de sécuriser sa trésorerie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Sébastien, le premier rôle du chef d'entreprise, c'est d'abord d'assurer la pérennité de son entreprise et donc d'éviter la fameuse cessation des paiements. Alors est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que c'est que la cessation des paiements ? Eh bien écoutez, les entreprises ont des échéances régulières de dettes à payer. Elles ont un délai pour payer ces dettes, et si vous dépassez ce délai de plus de 45 jours et que vous n'êtes pas en capacité de régler ces dettes, eh bien vous êtes en état de cessation des paiements. Ça ne veut donc pas dire que vous n'avez plus d'argent, Sébastien. Ça veut dire que le total de vos actifs liquides immédiats est inférieur à vos dettes échues depuis plus de 45 jours. C'est cet état qu'il faut absolument éviter. Mais j'ai donné dans la définition une partie de la réponse, puisque ça veut dire qu'on peut renégocier avec nos fournisseurs un délai plus long, auquel cas vous n'êtes toujours pas en état de cessation de paiement, même si le total de vos dettes est supérieur à vos actifs liquides, mais ces dettes ne sont plus échues depuis plus de 45 jours. Donc c'est une définition théorique, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus d'argent sur le compte en banque, c'est simplement une situation théorique dans laquelle la trésorerie, effectivement, immédiatement disponible, est insuffisante pour couvrir toutes les factures qui sont effectivement exigibles. Alors, est-ce qu'à l'inverse, on a un contre-exemple, ou c'est quoi l'inverse de, finalement, de la cessation de paiement ? Est-ce que ça existe ? Alors oui, ça pourrait exister. On pourrait imaginer une société qui a énormément de trésorerie disponible, beaucoup plus que ses dettes exigées, même que l'ensemble de ses dettes, qui n'a même à l'actif que de la trésorerie. Et le droit des sociétés existe depuis Napoléon Ier, en gros, depuis 200 ans. Et Sébastien, on n'a jamais vu d'entreprise mourir d'avoir trop de trésorerie. C'est étonnant. C'est effectivement assez étonnant. Alors justement, quels sont les outils pour sécuriser sa trésorerie ? Eh bien Sébastien, plusieurs outils sont à notre disposition dans le cadre de la crise Covid. Tout d'abord, le prêt garanti par l'État, qui est un prêt que vous contractez auprès de votre banque, qui est un prêt sur 6 ans. À l'origine, c'était un contrat 1 an en trésorerie pure, 5 ans en amortissable. Et avec l'allongement de la crise du Covid, il est passé en 2 plus 4. Il est limité à 25% de votre chiffre d'affaires, ce qui fait une somme en général assez conséquente. Vous pouvez aussi limiter à votre CAF non utilisé sur 5 ans pour être dans une approche économique raisonnable. Dans le même cadre, on a un autre prêt qui est le prêt rebond. Lui, il se contracte directement auprès de la BPI. Il est limité à votre encours bancaire ou à 300 kilos. Si vous avez eu un refus de PGE, soit refus total, soit refus partiel, vous avez accès au fonds résilience, qui suppose que vous soyez en Île-de-France. Enfin, vous pouvez faire des reports d'emprunt de 6 mois, de crédit beau de 6 mois, report de charges sociales auprès de l'URSSAF, et vous pouvez mettre en place le chômage partiel, Sébastien. Alors, juste pour revenir justement sur ce report de charges et notamment de crédit beau, ça veut dire que c'est un report à la fois en termes de trésorerie, mais également en termes de compte de résultat, en termes de charges. Oui, c'est très important ce que vous dites. Ça veut dire que vous devez renégocier avec votre banque de nouveaux échéanciers. On n'a pas juste dit « vous allez nous payer tout avec 6 mois de décalage ». Non, il y a un nouvel échéancier. Donc, si on imagine une entreprise qui n'a que des crédits beaux comme charge, eh bien, en 2020, sa charge sera réduite de moitié. C'est ça. La traduction comptable, c'est 50% d'économie sur les crédits beaux en 2020. Ce qui en soit plutôt une bonne nouvelle. Oui. Alors, pour revenir sur les différents outils que vous avez évoqués, est-ce qu'il y a un ordre précis, un ordre prescrit, en tout cas, pour les mettre en place ? Oui, Sébastien, il y a un ordre logique. Il faut immédiatement mettre en place le chômage partiel et le report des charges sociales. Ça empêche les sorties de trésorerie et ça vous permet de vous adapter au modèle économique Covid. Puis ensuite, il faut financer la crise à travers les outils bancaires, le PGE, la résilience. Si vous avez un refus de PGE ou de résilience, vous pouvez aller devant le médiateur du crédit. Alors à ce propos-là, permettez-moi de vous couper, on est bien d'accord que pour recourir à la médiation du crédit, il faut nécessairement un refus écrit de la banque et que la banque, si elle vous refuse un crédit, doit vous le notifier par écrit. Oui, c'est très important. C'est une règle extrêmement importante à rappeler. Sans notification écrite de la banque de refus, il n'y a pas de médiation possible. C'est tout à fait ça. Donc le mail est très important en la matière. Enfin, le rebond que vous utiliserez à la fin seulement, puisque le rebond est plafonné à votre encours bancaire. Le PGE étant un encours bancaire, vous avez intérêt à faire le rebond en dernier, et il est sinon plafonné à 300 kilos. Dans le contexte de crise que l'on connaît et de l'anticipation de l'avenir, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où on peut se passer finalement de PGE et de toutes ces aides ? Eh bien écoutez Sébastien, on l'a dit tout à l'heure, le premier rôle du chef d'entreprise, c'est d'assurer la pérennité de son entreprise.
Comment assurer la pérennité de son entreprise sans signer un prêt garanti par l'État, vu l'importance des montants proposés, je rappelle, 25% du chiffre d'affaires, la limite. C'est supposer soit que vous n'êtes pas touché par la crise du Covid, ou que vous n'allez pas être touché par la crise du Covid, ou supposer que la reprise post-Covid, qui sera probablement très favorable, est très proche. Mais on n'en sait rien. Et nous, experts comptables, qui avons quand même une vision assez large de l'économie, on est incapable aujourd'hui de se projeter et de dire quand va reprendre l'économie d'un point de vue global. Et sur certains secteurs tels l'aéronautique, on sait que c'est postérieur à 2024. Donc il faut financer l'entreprise à tout prix, et puis après on verra. Oui, donc le rôle de chef d'entreprise, c'est simplement d'anticiper l'avenir. Même si vous êtes confiant dans l'avenir, il vaut mieux effectivement sécuriser son avenir, en tout cas en termes de trésorerie, ça c'est une certitude. Et comment justement anticiper les autres difficultés ? Alors Sébastien, il me semble que c'est le sujet d'une de nos prochaines conférences. Effectivement, il y a de quoi dire là-dessus. Merci Sébastien. Merci Sébastien.